DG Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba, Congo. Fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo e koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oh yeah yeah. Monsieur Dan, bonjour. Vous allez bien, j'espère. Je suis Stéphane Balamwangé, Aigle. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo a besoin de nous. Vous nous suivez de partout, sachez très bien que nous sommes là pour vous informer. Nous sommes là pour analyser l'actualité. Nous sommes là pour dire des choses telles qu'elles sont. On n'est pas là pour incriminer nos dirigeants. Nous aimons beaucoup nos dirigeants. Nous avons notre ligne éditoriale. Ce qui veut dire, chez nous, c'est le patriotisme et c'est la méritocratie. Lorsque vous dirigez, nous nous rendons compte que vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous faites comme travail. Nous viendrons pour dire, messieurs, nous sommes désolés, foutez-nous le camp. Bien sûr, lorsque vous dirigez bien, nous viendrons pour dire bravo et nous soutiendrons. D'ailleurs, raison pour laquelle, ce que Bolandi Ming n'a pas titre et belé na tchaka, Bokumuna Tokomi bravo. Oui, Tokomi bravo. Pourquoi nous disons bravo? C'est parce que les choses évoluent. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par vous-même. Aujourd'hui, Mamboute Bilina Koloba Awanazo répondre à Mitoula Nabino. Oui. L'émission d'aujourd'hui est outil à Mitoula Nabino. Bah remarque Nabino, Pe Makambo Oyo Soboibisinga. Bah tu batindelinga ba photo, ça circule à gauche, à droite. Oh, le président Tshisekedi a zobé là, à Kangame, un hôpital, Napoto. Le président Tshisekedi, hospitalisé en Europe, nous le saurons dans cette émission. D'ailleurs, Bomouni qui a zana Congoté, ça fait presque 4 jours, Bazomon a été. Batoubaolo a moutindouana, batindelinga, vidéo, photo, ici Stéphane, Meka Kolimbola, Makambo. Je vais parler de ça. Lutundula a parlé toujours, na Makambo Matali, dialogue. Il a parlé. Il a dit comment nous allons dialoguer avec une armée qui occupe notre sol. On ne dialoguera pas comme ça. Et c'est notre position. Lutundula a parlé. Chers Congolais, Stéphane, explique-nous si Tshisekedi vraiment Azali Mutu Oyo a occupé sa solution à Congo. Ah! Na expliqué tout ce qui y a solo Félix Antoine Tshisekedi nde homme solution na Congo. Ba ebisi na pesa biso différence ya président Tshisekedi na président Kabila. Ba tomso ba Congo ibisanga au contraire eloko boyo na tango Kabila ezala ki bien. Mais na tango Tshisekedi o molende ngezo simbate. Merci, je vais en parler. Ba tomso ba lobby Stéphane, tu parles trop. Est-ce que ce n'est pas sous règne à président Tshisekedi que tribalisme est commis ma casse? Ah, règne à président Tshisekedi, tribalisme est commis ma casse. Je vais parler, je vais répondre. Ndeko Stéphane, à l'Est, ça ne marche pas. Mais Joseph Kabila quand même a trouvé une solution. Malgré la solution, il a trouvé qui? Au moins, qui a été écrit à la maboko, on a mis ce qui a quitté. Mais tu vas qui kimia. Ah bon? Je vais parler. Nako répondre. Bah, question est belé. On a comme mec à correspondre, ok? Donc Stéphane, tout mon vidéo n'a pas circulé mingi. Aux Oloba, aux Anakanda et consorts et consorts. Bon, je vais vous dire ceci, hein? Stéphane, bozo bien nga naza aigle. Un aigle ne s'intéresse pas au corbeau. Donc c'est tout ce que je peux dire, ok? J'ai déjà tourné la page. Parlons autre chose. Maintenant, nazo tanga. Vous pouvez comprendre, peut-être que vous avez un limbo là, point par point. Vous avez un dossier à l'Iboso, au Bolobi, qui est le président Tshisekedi, est hospitalisé en Europe. Aza, malade, Kuna, Akendaki, Makambo, Bele, Bele. Bon, mon ami, tu peux placer la photo, le président à la tine noire, Aza, Pemene, Yamunganga. Ok? Ça, c'est la photo. Cette photo, na téléphone, n'a pas ce qui est Botali, Ango. Beaucoup moins, ils ont transféré de nombreuses fois. Bien on dit mutubo tindelinga. Na lobi, ma kamurana bongi si na koloba on a des missions mususu na répondre. Puisque je suis là pour vous, lorsque vous m'envoyez des éléments comme ça, c'est parce que vous me faites confiance. Bah comme une assez urgent,
Félix Tshisekedi, hospitalisé à Ussel, à Bruxelles. Il sera gardé à l'hôpital jusqu'au moins 30 jours. Maladie, balobi, trouble de la prostate, problème d'ulcère, je ne comprends rien. Stavros, papi, ce qui est papi, nous, ce qui n'y est qu'on sort. Ça, information. Je vais vous dire que balobi, Ndeko Stéphane, tu as les sous, tu as un avion. Tu as la photo. Tu as un avion. Regardez, ça fait de cela 4 jours désormais que Félix Tshisekedi n'est pas apparu en public. Ni la présidence RDC, ni sa porte-parole Tina Salama n'ont donné de ses nouvelles ou indiqué où il s'est trouvé depuis son départ de Kinshasa dimanche matin. Blackout et total. En entendant les rumeurs sur son état de santé circule. Là, c'est ce que les gens disent. Rumeurs sur l'état de santé du président Tshisekedi. Chers compatriotes, Botindelinga, Namekiko, tout na batou à gauche, à droite, na comprendre ce qui se passe. Na côté na Bozindo. Déjà, un, la photo où le président Zapemenia, docteur, cette photo ne date pas d'aujourd'hui. C'est une photo où tu vas publier les sources. Tango balobaka qui est président, ba opéraye moutema. Ba pasolaye moutema. Souvenez-vous, ba lukuta ya ba kuswanika ba patient, na ba tumususu. Tango balobaka qui est président a été opéré de cœur, ne ba publier photo wana. Bobosan yango kasiko. Ba publier ka photo wana na tango wana. Ok, oui. Et c'est toujours le même laboratoire diabolique qui vient encore publier cette photo aujourd'hui pour marier na Oyo Mokonzi à sali comme déplacement. Balobi, bakeko opéré, à quoi ça la 30 jours en hôpital, à Kobimate et consort. Mensonge. Peuple congolais, Bozana Kimia, information Neza Lukuta. J'ai vérifié, j'ai demandé nabatu oyo bazan zingan zingan na président. Moi un peu na chaba photo na bango na président izate pour na ko garder quand même dignité na secret na personnalité na bango. Ba ibisinga ba bien na ka leki leki. Yebisa ba congolais mokonzi azan bonne santé, azan na problème te. Et si ka tozali ayebisika ya musala aye ko sala lika momosu sute. Oui, ça ce sont les Congolais. Les Congolais, tant que le président a voyagé, pour Nanini, a kende, a vandakate. Kaka la Congolais mokumokwana, a bela, bazo soigneye. Bon, je vous demande, vous voulez prendre le président pour un robot ou tout moutoua fonctionne à kana courant? C'est compliqué. C'est compliqué. Et le problème ici, ce n'est même pas ça. Les détracteurs, Badongolomis, Bazo préparé Bakuna Bango, selon des formations aux Zouyaka Namatoy. Ils veulent montrer au peuple que le président a abandonné le travail à qui couvent dans la poteau. C'est ça leur message. Un. Deux, ils veulent encore induire l'opinion nationale et internationale. Que le président Tshisekedi est parti pour des raisons maladives, canaïs aggrave, à cause de la soucité, dont les soucis y a, va induire tango moussou sous ba plan à bango, ou ba bongi sakaya kosa la coup d'état. C'est ça. Et ba message, ou yo ba véhicula yango, na tango pe mouboutou, abandaga kobela. Ils sont spécialistes na makambouana. Le président va bien. Il est parti en Europe pour des raisons de travail. Depuis que le président Tshisekedi est à la tête de ce pays, il travaille toujours dans le déplacement. Les gens pensent que Akenakakota Moulapamba, non. Il travaille dans le déplacement pour capacité naïe. Dans le problème au Congo et Zanango, il faut Akende pour résoudre Makambouana Yemoko. C'est pour éviter. Et le Kotobengi,
nini ba cop soki abani ko tuna tango sosu ba représentant naya gauche à droite est-ce que ba koza na capacité ya ko résoudre makambo wana na ndenge yemo kwazo résoudre yango est-ce que bazana vision na lecture o yemo kwazo sala et il y a d'autres pays aujourd'hui tango ba komona président yemoko ezoza la marque de confiance mbala moko et bazo kota mbala moko na je le Congo était nul. Si Joseph Kabila ne voyageait pas comme le président Tshisekedi, c'est un problème de capacité intellectuelle. N'a que par deux chemins, n'a que tout droit au but. Et ça, c'est un problème, il y a capacité intellectuelle. Problème, il y a capacité managériale. On faisait tout à la place de Kabila. Kabila était dans les affaires et non à la tête de l'État pour diriger le Congo. Était quelqu'un juste placé là-bas et bato banda ko sala makambo bazaki bato mususu. La preuve, t'as la 1 plus 4. Bazo pe sa finance économique et pas ya Bemba. Bazo pe sa sécurité défense et pas ya Zarias Rouberoi. Un pion de Kagame et pas ya Zarias Rouberoi. Et Kabila dirigeait quoi? Même affaire étrangère, bah, pe sa moto mususu. Et Kabila était là en train de les observer. Azoko takaka na réunion des présidents ou conseil de président, c'est là où il y a banda koya. Et tant banda koya bisikawana, abanda ko pesa bango orientation te. Bazo sala kaka po aye bakati makamzo tambola boye 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 na mboka. Il ne donnait pas de ligne de conduite. C'est batu musumu banda ko travailler. Et il était là innocent. Et le président Tshisekedi aujourd'hui est capable d'aller négocier un contrat avec des experts à ses côtés. Pour remettre le Congo sur le chiquier international. Kabila était en train de faire des affaires. Donc tu sais qu'il dit, le président, mon président, ton président n'est pas malade. Et ça coup juste, il y a bateau bazana pour ça va créer rébellion, va créer coup d'état peut-être avec certains officiers top au bango bazana bango. Fongola misu. Demiap fongola misu. Aner fongola misu. Armée Fongola Misu, politicien Oyo Ayebi qui a zosalé la Congo, a Fongola Misu, peuple congolais tellement zala éveillé. Moutoko Saouti, le président n'est pas malade. Baloba qui a que le président Azana Kigal, non. Tout ça c'était coup préparé pour n'a qu'au discréditer Makasi. Oyebi Zanin, l'heure où Azalène donna le faire de ses bakoyoka na terrain, que Bisso a tozo koufa. Mokonzi na biso akende kuna po ale na bato oyo bazo bo malisu na mboka na biso et ça tina nini c'est une manipulation c'est la ruse baza na kati ya ko désorienter opinion vous devez retenir ça c'est là où par moment je ne suis pas d'accord avec le service ya communication mokonzi mboka vous laissez trop la rumeur prendre place. Essayez de communiquer, d'anticiper la communication du chef. Je ne voudrais pas tout bandako apprendre que Moko Zazo voyage, non. Est-ce qu'on ne peut pas nous donner son programme là 24 heures avant? Le président a voyagé pour autant de jours, a Okenesikatel. Oui, on peut dire aussi ça, tout comme aussi on peut ne pas dire. Pour des raisons aussi sécuritaires, Makamoussou, ça va dire que le Bayangote. Maintenant, on va voir la population, on va la rumeur. Armée numérique, wana. Il faut chercher à trouver des solutions. Le pouvoir en place, j'ai l'impression que Tozan a armé numérique. T'es. Oui. Les gens qui travaillent aujourd'hui, les communicateurs, à gauche, à droite, il y a des gens, oh, ben ça va, communicateurs, il y a parti politique. Les communicateurs, il y a parti politique, il y a souvent qu'on a dit que bango. Il y a par moment, tu as coupé sa information dans le monde. Nous pouvons mettre en place la différence entre ma communicateur et ma parti politique. Na ma communicateur ou ma s'auto-proclamant, ba zawana, matière exacte, vous sentez que ça c'est total, vous sentez que c'est du corbeau. Alors, exacte, na ma communicateur, moussousou, ou le président, ton régime est qu'on mettre en place, indépendant, ba sala kamou sala, pour na ko orienter malamou population. Ça, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Oui. Et ce que nous faisons, c'est du bénévolat. Moi, je soutiens seulement mon pays. Je parle, je donne la bonne information. Oui.
Je soutiens seulement mon pays, je donne la bonne information, je mène mes recherches, mes enquêtes. Na sali ba descente na ngamboko na mbongo na ngamboko. Na osala makambo na ngamboko na zo découvrir makambo. Au nom du patriotisme, je viens révéler ça au grand jour. Mais chose grave, vous verrez toujours même les services de renseignement qui sont censés faire ce travail-là ou qui sont censés aussi nous utiliser pour faire ce travail-là, ne le font pas. Bah vandi bazo zela kaka ba dictat ba ko ya banini. Ba politicien oyo le bi koto kangelanga wana zongiselanga oyo bendelanga boye salelanga boye des choses comme ça parfois. Je ne les accuse pas, mais j'observe. Je n'accuse personne et j'observe. Est-ce que nous avons des communicateurs indépendants oyo bazo travailler ya solo pour un régime ya mukonza mboka mutuna mutazo sala ndinga lingi. Il y a un problème de communication, il y a information. Et ça, ça dérange. Raison pour laquelle vous voyez, bah, rumeur, il y a beaucoup na Twitter, na Facebook, na YouTube. Ezokola, tu vas au monde, oh, tel à l'obac. Non et non. Vous comprenez? Oui, non et non. Alors, moi, je vous dis, j'ai mené mes enquêtes, j'ai vérifié, le président n'est pas malade, il est en bonne santé. Bah, tout bazo l'okabar. Puisque le président gêne. Le président, tu sais qu'il dit gêne. Mais il gêne qui? Voilà la question. La présence de Félix, tu sais qu'il dit à la tête de notre pays, gêne le prédateur. Gêne les gens qui veulent utiliser le Congo comme vache à lait. La présence ou la vie de tu sais qu'il dit gêne Batouane. Les gens qui ont transformé Congo comme bien commercial. Présence, il y a fait Tshisekedi gêne à Kabango. Le présent Tshisekedi gêne les détourneurs. Il gêne les infiltrés. Il gêne les espions. Il gêne le mercenaire diabolique. Il gêne tout le réseau. Où ils ont pour copier Congo. Raison pour laquelle le Rwanda a mis en place tout un système. Il y a communication pour désorienter le peuple. Kolongola et Sengo, ou le peuple a ça n'a envers Tshisekedi, pour ba pesa yango ba tumususu. Jamais mbo kanabiso to mona et Sengo ba tukoba uza nango lelo. Les gens, aujourd'hui, sous Tshisekedi, vivent bien. Nakoyeb Sabine. Vivre bien, ce n'est pas manger soso chaque jour. Moubimba, dolo, zolia le kolangombe chaque jour, non. Lorsque tu vis en paix, bah, menace de mon réseau à la tête. Tu parles librement, tu fais ton travail. Tu vis bien. Ah oui, moi j'ai toujours dit que je vis bien. Je vis bien. Et ça, sens beaucoup élevé, il y a qu'un de moussikapo au travail pour Nambo Kanayo. Vous comprenez? Raison pour laquelle je veux battre mon sousou. Mokonzi. Kosa la structure moukouya batou bakouya kosa la moussala. Bah communique à Kamala, puisque. La présidence, oui, bah, Twitter. Mais est-ce que tout le monde est sur Twitter? Est-ce que vous avez des gens au bas en information claire dans ma YouTube, dans Facebook? Je ne pense pas. Aujourd'hui, tout le monde est communicateur. Même les gens sans niveau, bah, bah, communicateur. Je dis même des gens sans niveau, qui ne sont même pas habilités à parler de l'État. Et ceux qui sont là, vous sentez qu'ils ont la confusion totale dans Moutounaï. Mais il est capable peut-être de dire n'importe quoi. Kofinga X, Kofinga Y, vous pensez qu'il est sans niveau. J'ai dit sans niveau. En termes, il y a réflexion, il y a l'état moderne. À Nangote. Mais quelqu'un paraît à Zobi bien un communicateur, à communiquer. Il parle de sa vie. J'ai dit, mais il parle de sa misère. Il parle de quoi? Il parle de quoi? Et bien, tu as dit, nous sommes capables de couper ce mot et pas Y, de couper ce mot et pas X, fais ceci, fais cela, finga boye, loba boye, calomnie tel, oui, bah, Zozala. Et c'est un danger. Et raison pour laquelle j'ai toujours dit, après le 10 ans à présent, tu sais qu'il dit, pourriture, nous sommes roumouna qui rebung. J'appelle ça pourriture et rebung. Parce qu'ils n'auront plus rien à dire. Mais si vous parlez de l'État, vous accompagnez l'État, vous faites ce qu'il faut, il est normal pour l'État, vous vous rendrez compte que Mbokanabi c'est que tambo la malam. Le Congo a besoin de la crème intellectuelle. Et le pouvoir, tout pouvoir a besoin, il y a un cerveau
où ils ont pensé lutte cerveau ils ont pensé qu'au pérenniser pouvoir wana cerveau où ils ont pensé utilisation à pouvoir wana exercice à pouvoir cerveau où ils ont pensé renouvellement il y a classe politique cerveau où ils ont pensé comment faire mieux pour la makambwe kendeliboso cerveau où ils ont pensé ils ont ça la étude comparative bah oh bah salaki boy pour biso to tomber na ba même erreur wana te to sala nini et ces cerveaux là n'ont pas besoin ya ko flatter batou ce sont des cerveaux qui parlent vrai oui des cerveaux comme ça parlent vrai comment pérenniser le pouvoir oui ezalaka na lutte nango ezalaka na ba armes les armes qu'on utilise pour conquérir le pouvoir bah ils utilisent Kamindou qui est belé tout ça bah arme y a bateau bah quoi qui na balabala quoi ganga et tout bah c'est une arme aussi tout ça na arme y a bateau bah quoi raisonner bah mettre stratégie en place tout ça na arme y a bateau bah quoi kende ma élite tout ça raison pour laquelle vous verrez ils ont bah arme monsieur sur les alaka utiliser na conquête y a pouvoir mais les alaka utiliser na exercice y a pouvoir t ouais mais ce qui bah ce qui arme y a balabala et on va t'utiliser pour exercer le pouvoir. Non, tu n'as pas le cerveau pour exercer le pouvoir. Alors, j'aimerais tomber à retrouver solution à point 1. Parlons République. Ok, parlons République. Alors, il y a ma kambomoussousou. Pour pérenniser, il faut mailler l'intelligence. Intelligence. Ça, c'est de l'intelligence. Ça, c'est de la pourriture, il faut mettre de côté. Ça, c'est de l'intelligence, ça, de la pourriture, il faut mettre de côté. Ça, ça existe. Makambouana est très important na katia pouvoir. Donc, Namokous, le président n'est pas malade. Ça vient tout droit. Il y a armée numérique. Il y a Banguna, il y a président. Oui, bah, ça, na katia ko baby sa image na, na katia société. Notre président va bien. En bonne santé. Il est là où il est. C'est pour des raisons de travail. Et il ne travaille pas pour sa famille. Il travaille, c'est pour l'intérêt du Congo. Bien sûr, c'est pour l'intérêt du Congo. Et il ne dira pas tout. A qui qu'on signe contrat à Mindouki, à qui qu'on signe contrat à Mindouki, à qui qu'on signe contrat pour la Manzela, il ne te dira pas. Vous comprenez? Voilà. J'ai répondu à la première question. Non, attends, moi, tu sais qu'est-ce dit? Tu veux vivre dans le tribalisme, ma casse, mais attends, moi, Kabila, tu as qu'il n'y a rien sous ce nom. Kabila est allé même au-delà du tribalisme. Ouais. Vous voyez le tribalisme? Et ça a deux sens. Dans un tribalisme, dans le sens ma B, dans un tribalisme, dans le sens normal. Paye à bien. Oui, bien sûr. Le tribalisme, dans le sens Yamabe Zanine. Moi, je suis par exemple du Kasaï central. Oui, je le suis. Puisque je suis Mujela Kassanga. Du Baya, bien sûr. Du Bataille. C'est chez moi. Oui, je le dis. C'est mon identité. Je suis dirigeant quelque part. Mais je travaille uniquement dans le Kasaï central. Il y a territoire nanga. Baye bate, baza la kak. Et moutou ya yé. Aye bimen. Le quoi la zam ta province, moussou, je ne le prends pas. Ça, c'est le tribalisme médiocre. Oui, c'est le tribalisme médiocre. Mais ce qui ndekonanga yi, congolais. Aye bi. Bon, nan moutou moussou, ou ya sa congolais te. Mais baron, si mbali ba yébi, je vais choisir ndekonanga congolais. Ça, c'est le tribalisme au sens positif. Je vais choisir une Ndekonanga congolais. Ah oui, hein? C'est sans faute. Yoka Siko Kabila, parce que là, vous accusez Tshisekedi qui a sa tribal. Sous Tshisekedi, tribalisme, mais comme il m'a cassé. Non, non. Loukouta Nabino. Boutika Aba Shema Nabino, Anna, y a que tel et tel. Non, sous Tshisekedi, Tshisekedi, président Moulouba. Na Banque Centrale Moulouba. Na ceci Moulouba. Na cela Moulouba et consort. Non. Bilo Kona, c'est. Et ça mouke. Et ça Kabila, lui, est allé au-delà du tribalisme. Hein? Kabila, lui, est allé au-delà du tribalisme. Parce que lorsque Kabila prend maintenant la tête de nos régies financières, et le nom de Tutsi, Rwandais, Okutu, Tutsi Congolais, Tutsi Rwandais, parce qu'il y a des Tutsi Congolais, Tutsi Rwandais, les Tutsi Congolais, les Hutu Congolais, et ça, bah, oh, bah, ça, n'a beau avant 1960, bah, ça, déjà, nationalité congolaise, oui, on n'en peut rien, bah, ça, ils sont là, sont nos frères.
Nous les aimons comme ça. Et ils sont nos frères. Mais bah, tous ces siko, oh, y a Kabila banawa qui ne cause pas Rwanda siko. Bah y a sali awa. Bah zimi solo bakie kuna. Vous avez un niveau à Kabila. Et le point à armé. Azi ba Bosco Tanganda. Batu oh baza ba Rwandais de pur. Oh baza kuna de son la fonction wana. Aya ti bango sur armée na biso comme c'est bango ba généraux. Moko la ko sama baza ba Rwandais. Yebisanga siko na ti seke dina Kabila. Na nyazali ndoki. Ti seke dit c'est un ange. Oui Kabila c'est un démon. Bien sûr. C'est tout comme le lengi wana na comparaison. Vous aimez bien la comparaison. Je suis là pour répondre. Non, Stéphane, tu tiens de bloquer Belé aux oboyes pour répondre à nos bangs. Non, je n'ai peur de rien. Na bang à Kabilo ko wana miki miki wana te. Je suis allé tibisika bazo beta massa si na bangite. Oui, na bangite. Na sali boutou mo bimba sur lac Kivu. Le kola mai na bangite. Na bangite. Le kola mai na bato boutou mo bimba. Na la liwana na bangite. Na tena bisika ba EDF ba lekaka ba red tabara ba lekaka na bangite. Bonzo ibisa makambo simple bonye na kobanga pona lobango ya tayi moko. Nous parlons c'est la République. Cesser d'incriminer Tshisekedi. Tshisekedi est bon pour nous, il est bon. Oui. Félix Tshisekedi est bon. Il est bon. L'unique chose oyonga na mona recepe sa ngate pa ya président, il est trop large. Aza tellement bon, il est trop large. Nesika soit décision balamoko il est large. Nde sika ngana ye na monaka ngana se plakati. Mais par moment na pesa kaye raison puisque il a des informations parfois autosan ngote. Et capacité na ye intellectuelle et capacité na ye managériale tout comme politique, ils a tellement en avance parfois sur nous autoyebiti. Oui, il a un don de Dieu. Il a un don du ciel. C'est quelqu'un lorsque vous le regardez comme ça, il faut bénir le ciel. Ça, c'est Tshisekedi. Le président Tshisekedi, tant que vous lui est tribal, Kabila, tant que Kabila, tout ça qui est boyé. Non. Tant que Kabila, c'était pire. Puisque là, Kabila a bypassé même les Congolais à qui vous voyez qu'il y a Rwandais. La ceinture qui sécurisait Kabila, parce qu'il y a Congolais. Bagarde, il y a Kabila, parce qu'il y a Congolais. Bah, Tanzanien, bah, Rwandais, bah, Ougandais. Lingala banda kolobate bazoyo kamaka mobino bolobate la preuve bangona zoe tango ba kitana njile les zoe zo beta masasi na batunaye omona bato banda ko beta wana kongole te zo beta pesa kaka ana mawana yote. Vous comprenez? Donc le président Tshisekedi est mieux, il est plus que mieux même. Ouais, il est mieux plus que mieux. Bolongola wana. Et le mieux plus que mieux. Donc Kabila, lui, a préféré qu'on soit pas aimé. Gardez un président Tshisekedi. Bah, Congolais. Pour ça, la pémène. Soyez les Olobama. Linga les Olobama. Chiloube les Olobama. Kikongo les Olobama. Pémène à Mokonzambouk. Ah. Mais, na pémène à Kabila, Moutaloba, qui est le côté. Oui, mais Azanen. Au moins une différence. Donc, ce que tu sais que dit, lorsque toi tu me parles de tribalisme, moi je te parle que sous Kabila, lui était plus pur que ça. Au contraire, ce que tu sais que dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Nani ba baboye na moussala lelo, pour hasard, mouloubate. Expliquez-moi. Ba mandataire nyon so bazo nommé mi kolonyo so. Balouba. Gouvernement Mobimba. Balouba. Premier ministre, tu sais que dit, tu nommé mouloubat. Zéro. Alors, tu vas me dire quoi? Moulouba? Tu vas me dire quoi? Mais Kabila était capable de vous nommer à la tête, Yaba, Barconzé, à la police, et à l'armée des Rwandais purs. Azakoutouna Tina na binoté. Il y avait un général Etumba. Il était là, bien au moment de général, mais il était étiquette. Il y avait un Rwandais qui commandait Makambo Ebele pour le cahier. Un jour, ma manifestation, moko, étudiant kaka, nous, na campus. Un jour, tout vendu na campus, on a manifestation déjà. Il y a le. Tout tombe, ba kadik et consort. Manifestation, il y a beau, il y a campus. Chers compatriotes, monsieur l'abbé a télémi. Tozou yana yon, tozou yé belé. Wana, paros wana.
bien encerclé. Total les bandes, mais bas soldats aux hommes à l'ibanda. Eh, aux hommes tout le monde congolais, tout banan, nzoka ba M23 par Rwanda. Oui, par Rwanda ba M23. Tala ba tout l'ibanda. Aux hommes tout le monde ba au togo souka na mango, wapi ba au sekate. Na moni dio moko alati polo, y'a ba militaire wana na teni na se. Mais na moni un général, non un colonel, pembeni na ye, y'a congolais. Oh, il y a des gens qui ont commandé ma cam. Nous avons un colonel congolais wana. Azo commandé te. A telemi wana. Nenga telemi wana. Etiquette ya pamba. Etiquette ya pamba. A telemi na yewana. Etiquette. Et mouto banako commandé ma cambo. Azala ki pemen na ye. Ye mouto soit commandé wana vendi na kiti. Sot na moni colonel ya congolais wana a ever ma troupe a ebisibi soke binona ngai toza bato moko me bato bozo na sima wana baza ba rwandais batusi ba ko boma bino kabila pesi bango mitindo ba boma bino ndenge za awa soki bozo na posa bomo na bibembe awa te to bokufa te na sengi bino na malembe nyoso boza bande ko ngai bo baluka bo panzana bo kende baleki ba tuana ba kuboma bino kabila tinda penza na lobi ba telemina mandoki boye to metuni banani oyu teni ya sika ba M23 na inikini yao moi étudiant ba ya kanda ya kosakana te ba usekate atuni na lobi bo mone ba oto telemina bango bo mone bango bilongi na bango. Est-ce que mon bilongi ba ba terminer la semaine biso? To lobi to mon bilongi kulutu ba lobi baleki na ngai pardon. Bokende bokende. Kabila n'avait pas la confiance ya armée na bisoté. Ay ay moment donné azaki sou na confiance na bisoté. Akoma ki na confiance na ba paya na ye wana. Et tu sais que tu n'es pas à mesure de faire ça contre ses frères congolais. C'est ko koyi bisanga ke Kabila le ki tu sais que tu n'a point nini. Oui. On me dit, sous Kabila, tu as quand même kolia, ou banda kolia nini. Sous Kabila, ou banda kolia nini. Yébi sange le ko banda kolia, ou yozo lia te sou Tshisekedi. Thomson kaka Thomson mokoyo. Poule kaka poule mokoyo. Mbanga kaka mbanga oyo. Mabumbu kaka mabumu oyo. Mais sous Kabila, tu komati kolia le ko babengi mikobos. Oyebi mikobos. Oyo benze na ba libane ba osala kingabwa. Ba longoli soso misuniti etikali mikuwa. Ba papa ya ba fonction publique ba tuzo mikuwa wana. Ba ke ba tche wana ma tembele. Sa tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ça. Sou Kabila on partage ba Thomson a wana ba poule. Ba pesi 4 familles poule moko ba kabola 4. Oya kolia lokolo oya kolia. Imaginez. Imaginez, vous confondez les choses. Guerre à l'Est. Mais le président, tu sais qu'il dit, a memi makambo moko na degré au rozoi d'été. Sou Kabila, na quelques jours, bazo goma o bozo mona. Goma sou Kabila est tomba na tan mouke. Pourquoi? Parce que ça qui court na ye plan na ye. Et kwe ya, poto signe ba kor malamu. Na si d'ailleurs ko justifie yango. Mais sou tu sais qu'il dit, loko la lobby. Pas question ya bako ya buzoba, pas question ya makambo buzoba, nous devons nous battre. Yango bomuni kigoma, ekoyi, ekoyi te. O si tel le koyi, lobi, efade sa bongi azu yango. O le koko ekoyi, lobi. Ton di ma Tshisekedi, acceptons le président Tshisekedi. Moi, je soutiendrai toujours mon pays. Raison pour laquelle tu sais que dit les lois dans le pouvoir. Azalate balamang, je parlerai ici. Parce que moi, je soutiendrai toujours le pouvoir. Pourquoi je soutiendrai le pouvoir? Non, ce n'est pas parce que je ne vais pas faire l'opposition. Est-ce qu'il y a l'opposition? Est-ce que pour dire que ici ça ne marche pas, il faut être opposant? Non. Lorsque ça marche, je dis ici ça marche. Lorsque ça ne marche pas, je dis ici ça ne marche pas. Bien sûr. Un langage clair, chers compatriotes. Le régime du président Tshisekedi n'est pas sain. Ça, maintenant, je vous parle comme un journaliste indépendant. Le régime du président Tshisekedi a ses faiblesses. C'est un régime qui a aussi ses limites. Nous regardons.
un régime qui a ses faiblesses et un régime qui a aussi ses limites. Mais bah limite il y a régime, il y a présent Tshisekedi. Non, bah limite il y a régime, il y a Kabila. Je dis que nous évoluons. Bien sûr. Et ça, le coup là, l'objet n'a pas coupé. Mais le lot n'a quand même n'a coupé, mais coupé ou est tobo kaki wana. Babambi yango quand même. C'est ça la différence. L'objet n'a pas de pantalon. Et Nzuluka, mais les loups n'ont pas pantalon, mais Nzuluka t'es. Ça, c'est la différence. Puisque les axes, le point fort, il y a régime, il y a Tshisekedi aujourd'hui, dans le qui enlèvement, ou tout bien qu'enlèvement, bah tuerie, ou tout bien qu'enlèvement, bah tuerie, bah tracasserie, ou tracasserie, ou ce qui n'a le bien qui est siligné au son à cause, et diminuer sensiblement. Et diminuer sensiblement. Vous vous rendez compte que le président est sur la bonne voie. Puisque il travaille aussi avec des gens. Oyo bazalaka na régime, na système, ya Kabila. Oyo babana ko profiter na mafia wana, ba magui wana. Et aussi à ses côtés, il y a aussi d'autres personnes. Oyo baye na boule non pour accompagner le président. Ya ko sa la mandat ki toko, mais baye pe na boule ya ko s'enrichir. Bazali. Bazali. Mais lui-même a sa la vision nine. Est-ce qu'il est dans le commerce? Non. Est-ce qu'il est dans le conflit d'intérêts, dans l'État, non. Tshisekedi, c'est toujours l'intérêt général en avant-plan. C'est ça la différence avec Kabila. Donc, dire aujourd'hui que, oh, Nathan ou Kabila, tu as là qui bien, Nathan ou Tshisekedi, tu as comme une ligne, vous vous trompez, c'est de la méchanceté pure. Le président Tshisekedi n'est pas saint, mais il est vrai avec les Congolais. Kabila n'était pas ni saint, ni vrai, il était à part. Un homme qui vivait dans un autre monde, sous une autre planète. Ah, Stéphane Balamwang. Oui, accepté. Naïbi Sabino, vérité. Suivons d'abord le Tundula ici. Suivons le Tundula. C'est bon, tu es prêt? On peut suivre. C'est le retrait des troupes rwandaises de notre pays. Et c'est à bon droit, avec raison, avec sincérité, j'apprécie cela, que ma collègue affirme, comme les autres pays le font, particulièrement l'Union Européenne et les États-Unis, la présence des troupes rwandaises au Congo ne fait l'objet d'aucun doute. Tous les rapports sont là et il faudra que le Rwanda retire ses troupes si à la sincérité pour trouver une solution. Dès que cela est fait, nous ne pouvons jamais négocier sous occupation, nous ne pouvons jamais négocier dans les familles, nous n'accepterons jamais d'être indignes de notre pays et d'être dans la situation où on tire sur nos populations et nous applaudissons. Si cela est fait, toutes les questions majeures, la RDC est ouverte à la discussion. Mais tant que cela n'est pas fait, nous avons l'obligation de défendre l'intégrité territoriale et l'indépendance de notre pays et nous demandons à tous nos partenaires d'avoir des attitudes claires là-dessus. Boye Bissanga, le président, tu sais que dit, va négocier avec qui? C'est ça la différence. Au moment où tu dit, je ne négocie pas. Aussi longtemps qu'il y a besoin de ma belle langue. Oui, mais on ne négocie pas. Tourloubani. Bolungwa, c'est Mato Solo là. Voilà. Mais Kabila, ce n'était pas ça. Vous êtes là, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a d'autres à la belle langue. Pour Azaki, la Katia Kopouana. Vous comprenez? L'État aujourd'hui semble tourner avec le président Tshisekedi. Ça tourne. Oui, ça tourne. Aujourd'hui, petit à petit, toujours se rendre compte que Namboka n'a plus vraiment l'État. Ça. Ouais. Nous nous rendons compte vraiment que l'État est allé. Donc, aux distractions, tu notre sous ma question, Nabino. N'a répondre à Yango. Je suis toujours dans ma question, Nabino. Hein. Puisque vous avez trop dit là. Vous avez trop parlé. Beaucoup parlé là. Où est-ce que mon traité là qui vient on a 5 heures. Ah, Siko. On a traité sous ce point OEP très important là. Un point très important. Auto-traité. Ah, voilà. Ah oui. Un point très important. Très, très important. Ok. Non, monsieur le président, monsieur Félix, a trouvé solution. Le Rwanda vient de gagner. Les États-Unis n'ont pas beaucoup naïe. Bill Clinton a signé déjà et consort.
Oh, il explique ça en quoi voyage représente ce qui a utilité. Puisque Rwanda y a gagné confiance à l'Américain. Ça, c'est ce que vous dites, non? C'est ce que vous dites. Merci. Je vais répondre. C'est une question. Que je repose encore la question. Oui. Navandi, hein, papa m'appelle depuis la Suisse. Abissiran de Costéphane, tu parles beaucoup trop pour Félix Tshisekedi. Ses voyages ne nous aident pas. Il est parti à gauche, à droite, à côté d'un Américain. On a mais regardez aujourd'hui, les Américains, basés derrière les Rwanda et consorts, Tshisekedi n'a rien foutu. Ah, je dis, ok, je vais répondre. Na téléphone, il y a des fois qu'on répond, Mingite. Ouais, on a dit, ok, on va répondre. Maintenant, je vais répondre. Vous avez vu l'ambassadeur Yarwanda. Donc, on a point normal. Tout comment on carré, hein? Carré. Un, les Rwanda, les Congo, les États-Unis. Bah, on se base à ma pays. Congo a son ambassade naïe, na États-Unis. Rwanda a son ambassade naïe wapi, na États-Unis. N'est-ce pas? Ce qui les deux ambassades, elles ont se retrouvé na États-Unis. Elingi lo banine. Elingi lo baké. Les États-Unis, basa en collaboration na RDC et puis RDC et États-Unis, a sont en collaboration na Rwanda. Déjà, la relation bilatérale entre les États-Unis et les relation bilatérale. Ça, c'est de un. De deux, ce qui est américain, qui est l'ambassade de Rwanda, et l'ingo de le Congo, c'est fini, le Congo, c'est fini, le Congo, c'est fini, le Congo, ce qui est signé, c'est signé, le Congo, ce qui est signé, partenariat le Congo, militaire na Rwanda. Biso to bandi kolela. Non. Ce qui biso to bandi kolela ça signe à lâcheté, na faiblesse. Oui, on contrôle la tête. To ko dénoncer oui, na mona kané ba gouvernement biso ba dénoncer. Mais moi j'ai été toujours contre la dénonciation. Nous devons agir aussi autrement. Ah, les Américains ont signé un partenariat militaire na Rwanda. Oui, les Rwanda a moni qu'il faut signer un partenariat militaire na ba américain. Totalité biso na relation na bango. Est-ce que nous avons un partenariat militaire na bango? Ce qui toboy ko kende vers bango, mais cherchons un autre puissant auprès de qui on peut solliciter aussi un partenariat militaire. Tozo beta na musika na mi pepe. Oya beti kotoy. Yo pe beti kotoy na mu pepe. Tozo beta na boy. Oya beti kotoy, ya beti kotoy. Mais ça demande un stratège. Raison pour laquelle le président a fait un conseil stratégique. Mais un conseil stratégique. Mais une stratégie, nous sommes en sur le plan sécuritaire, nous risquons d'être surpris désagréablement. Et surtout que les Rwandais nous attaquent. Mais les Rwandais viennent de signer un partenariat militaire avec les Américains. Qu'est-ce que nous devons faire? On ne dénonce rien, on ne dit rien. On garde notre sang chaud et froid. Oui, moi je dis on ne dit rien. Monsieur le Président, on ne dit rien. Mais on doit passer aussi à l'action. Bon, si nous partons vers eux, allons vers un autre puissant aussi. Nous partons là-bas, nous signons. Oui, vous signez. J'ai l'impression que les gens minimisent la Chine. Ne minimisez pas la Chine. C'est parmi les puissants aujourd'hui. Mais tu sais qu'il dit, le président, tu sais qu'il dit, a des partenariats avec la Chine. Avez-vous vu Kagame aller en Chine, avec les honneurs, au Bayaman, au président Félix? Oh, mais pourquoi vous ne voulez pas parler des choses vraies? Avez-vous Kagame, à qui est en Chine, Bayambié, dans le tapis rouge? Mais le président, tu sais qu'il dit, Bayamba, qui est dans le tapis rouge? Cérémonie riche en couleurs, en Chine. Ça prouve que. Sur le plan militaire, nous avons quand même un appui. Talaka ka leur nani ce qui réussit. Alibi que non, nous approuvons nin partenariat militaire na RDC au monde ni nganaki.
Ça, c'est ce que moi, je veux. Moi, j'aime voir mon pays na bakubilo kwa bongo. C'est ce que moi, je veux. Moi, quand je vois des choses pareilles, non, car en zote, salinga saï. Eh. Oui. C'est là, ce moment-là, que vous vous sentez que toza. Eh, toi, mi baliko, toza. Toza. Nde makamo ngana lingaka. Et si ko makamo moutine, on a po eza la zala. Il faut ce qu'on tolenda, il faut des stratégies. Tant on a dit que cerveau. Donc, un cerveau stratégique. Donc, bateau, bah, il y a un calcul géostratégique. Eh, on a un calcul géostratégique. Voilà. Ah, Seigneur, je sais. Est-ce que tu vas comprendre ma caméra? Mais là, on va comprendre. Mais on va comprendre. Bah, calcul, voilà. Bon, on a un bon. Nous devons prendre le pays, nous sommes limitrophes comme ennemi. Bah, frère, t'es. L'isunabiso sur le plan stratégique et sur le plan militaire, bango tout baza ba adversaire. Sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire. Puisque tout est koki koya n'importe où et n'importe quand. Je dis, et koki koya n'importe où et n'importe quand. Alors il faut savoir faire la lecture. Il y a adversaire na yo. Les Rwandais nous attaquent, ok. Bah qui va signer partenariat militaire na États-Unis, ok, c'est bon. Et. Mais ce plutôt signé boy. Mais le président Tshisekedi, vous ne les voyez pas. Na Joe Biden wana collé serré na makambo. Bon mon président na Joe Biden te. Tonton, tu peux me trouver la photo du président Félix et Joe Biden. Ouais. Bah toi mon pour pas comprendre que le président Tshisekedi n'est pas le moindre. Ah oui, il n'est pas le moindre. Aujourd'hui bah, mindele nyonso na baza contre biso. Bah, ou luka lipa na baron na est. Union européenne na baza à gauche, à droite. Mais vous avez vu Tshisekedi aller vers l'Union européenne. Croyez-vous, c'est baron que ce que vous venez de faire avec le Rwanda, je ne suis pas d'accord. C'est bien, le président l'a fait. Mais moi, j'ai toujours voulu, au lieu d'aller vers ces gens-là, au taliban kanamis, bino bozo, agir autrement. Donc, vous répondez par les actes contraires à ce qu'on va on va poser acte côté. Mais le peuple, côté, on va répondre. Et le Parisien, n'ingi ça qui États-Unis, n'ingani. Union européenne, n'ingani. Vous avez vu les ambassadeurs défiler ici. Vous avez vu les ambassadeurs défiler ici. La bière qui a au coup du maître. Oui. Est-ce que tu as dit qu'il y a non. Maintenant, ils savent que. Tshisekedi a déjà une arme quelque part. De temps à autre, il peut recourir à ça. C'est ça. Les Congolais botika makambo ya ko diaboliser ba konzi. Congolais botika makambo ya bilila lela. Botika makambo ya ko lenga lenga. Non, on a lingi biloko ko lenga lenga wana te. To balola mituna biso. Ne si ko vanda ka pona ko finga, pona ko tonga, pona ko loba makambo yo za nango maîtrise te yekola. Luka oyeba, ezandenge nini, makambo basala kandenge nini. C'est très important. Le pouvoir n'est pas la gestion de la art. Oui, la gestion, il y a pouvoir de l'État, c'est art. Ou la beti koto, ou la beti koto, ou la beti koto, ou la beti koto. C'est comme une équipe de football. Dans une équipe, vous devez avoir de vrai. Ce qui vous en a numéro 6, Nabino. Boyibi qui est meneur de jeu na Bangwana. Il faut la tailler. Il faut aux en jeu anticipation. Aux en jeu anticipation. Loco, le côté qu'elle a été tentée. Aux en a 3 mètres et un ballon T. Aïe pour Fosa. Aïe pour Fosa. Il faut le freiner na jeu. Et là, naïe faut la mouquer. Il faut qu'elle n'akate. De Rwanda. Il faut que bête ça y est match quoi. Bato baïbi ma moi balle et baïbi ma mana comprend. Manao loba. Donc vous avez une équipe de techniciens et en même temps une équipe physique. Oui, une bonne équipe doit avoir la partie physique et la partie technique. Ok? Joe Biden n'a président Félix. Bango Anat. Bien sûr. C'est pour dire que le collaborateur mon Joe Biden n'a président Félix. Les Américains, Bazaka Kana Congo. Mais Baza libre yako travailler na Batonyoso n'est pas lingi. Mais Bisopet osa libre yako travailler na Batonyoso. Capacité anticipation, il y a stratégie, il y a proposition. Et à la makasi, tout là la pongite, tout s'enrichir, tout vendre le pouvoir, c'est comme ça. Au talent entraîneur, moussous à côté, moutou à côté, si on a za grand pour contraindre j'ai à moutouana le coup l'angan a zo mené na score na sala indé n'a côté sa moutou tel. Ouais,
joueur au thème, coach, c'est coach. Non, coach, il m'a dit pourquoi coach, c'est joueur au bobo yawana. A dit que joueur wana par rapport à Batouana, il faut Azala. Et le président, tu sais qu'il dit, ma capacité n'y a pas de Zanango. A dit que ma journée n'a pas été ça. A dit que ma camonie n'a pas été ça. Je suis à la 40e minute. Merci. Les gens doivent savoir que le Congo a besoin de nous. Ok? Je ne cesserai jamais de vous proposer partie à reportage. Non, partie à reportage, t'es. Message Kakao Kagamazo, c'est porté Wanate. Message Kagamazo, c'est porté Wanate. Il y a 4 minutes, j'ai diffusé ça. Hier, tu n'étais pas là. Tu étais là. Un message, mon Kouya Mindele. T'as la vidéo, mon Kouya Mindele, ça 4 minutes, 3 minutes comme ça. Vidéo, mon Kouya Mindele. Bah, ça l'analyse, boy. Ce que mon Yango, bah, t'as la ngoli sous. C'est pour vous montrer que le président Tshisekedi dit. Lelo, sous Kabila, avez-vous déjà vu une fois Mindele bazo lobana ba parlement na bangwana bazo lobela le Kamboya Congo bazo soutenir yango babana stabilo ko wanate Mindele babana ko sala makambo wanate. Mais aujourd'hui Mindele ba koma ko vanda ba lobo bazo critiquer Rwanda. C'est pour vous dire que le président Tshisekedi a changé la donne. Suivons d'abord cet élément. Mais d'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Alors Vincent, le Rwanda célèbre le 30e anniversaire du génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Le président rwandais Paul Kagame dénonce la communauté internationale qui, je le cite, a laissé tomber les Rwandais en 94 par mépris ou par lâcheté. Alors objectivement, il a raison. 800 000 Rwandais sont tombés au sens propre, fauchés par les balles et les machettes. Le monde regardait ailleurs et ne voulait pas s'en mêler. Mais Paul Kagame est mal placé pour faire ce constat amer. Il accueille pour les cérémonies son protecteur Bill Clinton quand il était à la Maison Blanche. Celui-ci s'est obstinément refusé à toute intervention au Rwanda. Il comptait sur la guérilla de Paul Kagame pour stopper le génocide et conquérir le pouvoir. Et c'est bien ce qui s'est passé. Alors à Kigali, il y avait aussi ce week-end deux ministres français, hein, celui des Affaires étrangères et le secrétaire d'État Hervé Berville, qui est un rescapé du génocide rwandais. Depuis 30 ans, la France est bourrée de scrupules, de mauvaise conscience. Elle a échoué au Rwanda. Cet échec pèse d'ailleurs lourd dans le discrédit de sa politique africaine. Mais au moins a-t-elle essayé de faire quelque chose. D'abord, elle a retardé l'heure du grand règlement de compte entre Tutsi et Hutu en tentant d'organiser le partage du pouvoir entre le régime en place et les maquisards venus d'Ouganda. Le 7 octobre, quand un missile Exocet tiré, livré à l'armée ougandaise et tiré par on ne sait toujours pas qui, a abattu l'avion du président rwandais et pulvérisé ses accords d'Arusha, la chasse à l'homme a commencé. La France a alors tenté en vain de réveiller le Conseil de sécurité, de secouer l'apathie des Américains, de mobiliser l'Europe et l'Afrique. Elle s'est obstinée et elle s'est piégée. Elle a obtenu un mandat des Nations Unies pour stopper l'hécatombe. C'était trop tard. La moitié des Rwandais avaient déjà reflué vers le Congo voisin. Et c'est là, au pied du volcan, au bord du lac, que le massacre continue. Vincent, on ne peut pas comparer le génocide rwandais et les violences dans l'est du Congo. Le génocide rwandais dépasse par son ambition les autres massacres. Il ne les a pas arrêtés. Il continue de plus belle. Et comme le dit si bien Paul Kagame, le monde laisse tomber. Il y a au Kivu des casques bleus, une force d'Afrique de l'Est, une autre d'Afrique australe, en plus des mercenaires venus d'un peu partout. Mais personne n'ose dire à Paul Kagame, 30 ans, ça suffit. Depuis 30 ans, son armée prétend combattre les Hutus revanchards. Mais l'ONU entasse les rapports qui documentent les tueries, le pillage du coltan, du cobalt, de l'or, tout ce qu'on ne trouve pas dans le sous-sol du Rwanda, mais que le Rwanda continue d'exporter. C'est le mobile de ces crimes de masse. Cette guerre a fait au moins 10 millions de morts. On a arrêté de compter les victimes depuis des années. 500 000 femmes ont été victimes de viols de guerre. C'est l'estimation du bon docteur Mukwege qui répare les femmes. On lui a donné le prix Nobel de la paix, ce qui est plus facile que de réparer le Congo. Vincent, quelle est la situation en ce moment ?
La guérilla du M23, appuyée par 2000 soldats rwandais, assiège Goma, la capitale régionale. Ils sont bien équipés, ils ont même abattu un drone d'observation des Nations Unies avec un missile solaire, c'est dire. Au total, 1,5 million d'habitants ont fui leur maison, 600 000 déplacés s'entassent à Goma, on y manque de tout. Paul Kagame nie l'évidence avec véhémence. En juillet, il sera réélu pour un cinquième mandat. Et la France, qui s'obstine, accusée de crimes qu'elle n'a pas commis, le félicitera. L'œil qui est dans la tombe, rwandaise, et qui regarde la France, est un œil crevé. Il voyait flou hier et il est aveugle au drame d'aujourd'hui. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. Il est 8h moins le quart sur Europe 1.